Hey, salut à tous, c'est Podkill, j'espère que vous allez tous très bien les gars, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Black Ops 3 avec un 101 kill, 5 morts en no létal. Donc no létal, je le répète, c'est quand tu joues avec des drones dans le brouillard en microstation. Donc j'étais en domination hardcore sur la map combine, j'ai failli de la triple nucléaire, oui donc je le répète bien, la triple nucléaire les gars. Donc je suis mort à 29 par je sais plus quoi, enfin en gros je suis mort à 1 d'anu. Ensuite j'ai recommencé une série, j'ai fait la nucléaire. Donc ça je crois que c'était dans le même side. En gros en moins de 5 minutes, donc déjà ça déchire bien ce petit gameplay. Ensuite, en second side, je suis mort à 15, je suis mort à plus de 10, et je suis remort à plus de 10, du coup ça finit sur un 101 à 5, donc le score est vachement bien je trouve. 101 kills en domination hardcore sur combine, ça va, c'est pas mal. La triple, je vous l'ai dit les gars, la triple nucléaire elle arrive les gars. Encore 2 semaines et je la sors là, les gars, je ne savais pas comment, je suis close à chaque fois de l'avoir, hein. Je suis à 5 kills, 10 kills, c'est un truc de fou, je vais l'avoir les gars. Comptez sur moi, je vais l'avoir en premier. Ensuite, j'étais avec mon pote Nova, donc Nova qui est dans la plupart de mes gameplays sur ma chaîne. Donc je le répète, hein, c'est un membre Apex qui sort des très très bons gameplays avec FD78, un autre membre Apex, qui ont une chaîne commune. Donc je mettrai aussi leur chaîne en description. Et je joue avec 2 abonnés que Nova avait invités, donc ils avaient bien géré. À part un qui m'a bien cassé les couilles avec son fantôme, mais bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être pu faire au moins la double avec le 29, mais bon, c'est pas grave. C'est fait. Je vais pas lui en vouloir toute ma vie. Donc je vais passer à ma classe, donc ça vous intéresse beaucoup, je suppose. Donc si tu veux reproduire ce gameplay, je te conseille la KM44. Donc en hardcore, ça va, elle est bien. Elle est bien en soft aussi, mais bon, franchement, c'est pas l'arme que je conseille le plus, hein, mais bon. Je sais pas pourquoi j'ai joué avec ce jour-là. Donc j'avais la crosse, la poignée ergonomique, la charge de grande cape, et il me semble pas que j'ai de poignée, je suis pas trop sûr. Ensuite, pour mes atouts, là, j'ai quasi tout le temps la même chose, hein. J'ai JD pare-balles, pillard. Et masque tactique, sauf que là, comme on était en hardcore, j'ai privilégié écoute, ce qui est complètement inutile dans mon cas, étant donné que j'ai pas de casque sur la console. Enfin, j'ai un casque, mais bon, je le branche sur l'écran, donc c'est inutile. Parce qu'en fait, je l'explique, là, je commentais avec un Siberia V2. Donc, un Siberia V2, c'est genre. C'est pas un port USB le truc, c'est des prises jack. Et genre, les prises jack, en fait, bah, tu peux pas les brancher sur la manette, à part si t'as un adaptateur, et bon, j'en ai pas, donc. Je sais pas vraiment quoi faire, et d'ailleurs, à chaque fois vous me dites, ouais, dommage que t'as un micro de merde, etc. Ouais, je sais, le Siberia V2, il est vraiment pas top au niveau du micro, même au niveau d'écoute, hein, le Siberia V2, c'est un bon casque à l'époque, mais bon, maintenant il y a largement mieux en casque, donc, d'ailleurs, à Noël, je pense me reprendre un nouveau micro, donc un pour la console, et si possible, avec un bon micro pour commenter les vidéos, donc je vais essayer de voir ça. Si vous avez des idées de casque, mettez-le moi en commentaire, hein, je vais regarder... Je vais regarder sur Google parce qu'il me faut vraiment un casque d'urgence parce que ce micro là il défonce toutes mes vidéos, c'est un truc de fou comment il pue la merde. Ensuite, je tiens à remercier Zebi, donc Zebi Machine, dont je n'avais déjà pas dans mes vidéos. Il a upload ma nucléaire en 1 minute 53 sur sa chaîne, donc ça m'a fait gagner peut-être entre 200 à 300 abonnés, donc vraiment merci gros, c'est un truc de fou. Et il avait fait un commentaire en non répertorié pour passer sur Code QG, donc Code QG nous a upload. Là la vidéo elle a fait 5000 vues, je crois, un truc dans le genre, là, donc je pense qu'elle va en faire 10 000 de plus. Donc vous allez être nombreux encore à vous être abonnés. Alors je commente la vidéo, on a 2200 abonnés, donc les gars, 2200 abonnés en un mois pour des gameplay codes, franchement les gars, je crois qu'on peut pas demander plus, c'est vraiment hyper cool. Donc Heyman, Zebi, Code QG, ça c'est les zones de la situation. Aussi Maniv m'a fait un petit coup de pub à un moment, c'était sympa de sa part. D'ailleurs Maniv qui a malheureusement arrêté YouTube. Donc voilà. Ensuite... Donc je vais vous... De toute façon la vidéo va bientôt toucher à sa fin, hein. J'ai pas trop de sujets comme d'habitude. Donc je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne? Donc je vous l'ai dit les gars, la triple elle arrive. Genre je suis persuadé que je vais la faire. Déjà les gameplays comme ça où je la fais, elle a pas grand chose. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Donc j'avais fait un tutoriel nucléaire d'ailleurs. Vous avez... Franchement ça m'avait surpris genre... La vidéo, genre, mais d'habitude, mes vidéos, à l'époque, elles faisaient quoi, 500, 600 vues. On là, en ce moment, avec les coups de pub qu'on m'a fait et tout, elles commencent à faire des 800, 850 vues. Donc, c'est vraiment bien et tout. Et là, mon tutoriel nucléaire, là, je regarde, il a fait 1800 vues, les gars. 1800 vues en une semaine. Donc, le tutoriel vous a vraiment plu. Donc, je peux essayer de vous faire d'autres tutoriels comme ça pour vous apprendre à mieux jouer, etc. Du coup, bah, j'avais déjà fait une vidéo pour améliorer son shoot sur AW, mon... Je peux la refaire sur Black Ops 3, donc ça sera quasi les mêmes astuces, hein, donc il n'y aura rien qui va changer, donc je sais pas vraiment si je veux le faire. Ensuite, un tuto déplacement. Ça, c'est beaucoup demandé dans les commentaires, je le vois souvent, on me demande de faire un tutoriel là-dessus, mais le problème, c'est que je vois pas vraiment quoi dire. Du coup, bah, à part faire une petite vidéo de 3-4 minutes express avec pas beaucoup de conseils, je sais pas trop, mais dites-moi les gars si ça vous intéresse, hein. Si vous êtes beaucoup à le demander, je pense que je vais le faire. Ensuite,
Donc je l'avais dit, j'avais fait mon tutoriel nucléaire qui vous avait beaucoup plu. Donc je peux peut-être refaire une vidéo pour vous donner encore un petit peu plus d'astuces, parce que là j'avais fait la vidéo il y a une semaine. En une semaine j'ai encore joué au jeu, j'ai appris d'autres trucs, etc. Du coup je peux faire une petite vidéo là-dessus. Après je peux aussi vous proposer des massacres en létal. Donc létal, je le rappelle, c'est l'inverse du non létal. En gros c'est avec des strikes meurtriers. Donc quand je joue en létal sur jeu, généralement je mets drone, enfin microstation, fantôme et visa et qu'est-ce que je raconte, les raps, voilà. D'ailleurs les raps, qui franchement les raps, je les trouve un peu inutiles hein, sur le jeu, on va pas se le cacher, mais le fantôme il fait beaucoup plus de dégâts qu'avec les raps, alors pourtant c'est peut-être 300-400 points de moins, donc je sais pas pourquoi le truc c'est censé être les chiens de Black Ops 3, mais non, les chiens sont inutiles apparemment. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'espère vraiment qu'ils vont le patch. Après il y a le Mothership, alors là le score streak le plus difficile à avoir dans le jeu. Donc ça c'était, je crois que c'est vraiment la plus grande blague de tous les temps. Le truc, tu le débloques, tu limite faut faire une double microstation pour l'avoir, le truc, et tu le sors, ça dure 2 minutes, tu fais 4 kills avec. Donc ça je comprends pas leur délire. Bon, le gameplay va bientôt toucher à sa fin les gars. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un petit like en commentaire. On va bien essayer les gars. D'habitude je demande 150 likes par vidéo, là on va en demander 200. Donc je sais pas si on va les atteindre, mais 200 likes les gars, je suis persuadé qu'on peut le faire. Et si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, enfin du commentary, mets the bien en commentaire, hein. Je fais ça pour le remercier les gars. Donc voilà, c'était Punkill, salut à tous. Savannah, we'll never be alone, Savannah.